You're not supposed to be here. You're not supposed to get out of your neighborhood. Hey, gros débile! Ouais, ouais, toi, la tête de veau! Enchaîne avec la suite du Talk Show, deuxième partie de ce Talk Show, deuxième partie de ce podcast de Big NBA Show. On est relancé sur le live. On vous rappelle, si vous voulez suivre, si vous voulez participer, pardon, vous pouvez suivre notre Talk Show sur vos applications, sur notre site internet officiel www.radio.net ou alors sur les sites officiels de nos partenaires. Mais si vous souhaitez participer, faire entendre votre voix comme ici présent depuis la région parisienne ou comme le Doc ONP depuis Angers ou encore comme c'est un vieil auditeur même, on va pas parler de son âge, mais on va plutôt parler de sa participation. Il s'agit de l'homme en mission, on l'appelle Dimitri, son prénom c'est Dimitri, c'est depuis Londres qu'il l'appelle. Bienvenue Dimitri. Merci à tous ceux qui sont là. Bonsoir tout le monde. Dimitri qui rentre toujours en catastrophe, on va dire ça comme ça. C'est sa marque fabrique et ça nous fait extrêmement plaisir de le savoir connecté avec nous. Dimitri, ça fait longtemps que tu nous as manqué. Ah, ben Philippe, tu n'as pas reçu d'invitation depuis longtemps. Je me disais que la radio allait fermer. Tu sais pas que tu es sur ta tête. La radio n'avait pas fermé, la radio est toujours, la radio a continué à tourner. D'ailleurs, si tu regardes sur les sites, tu vas voir que les podcasts ont continué à s'enchaîner. Mais c'est vrai qu'avec avec les programmes un peu compliqués, on a du mal à relancer les invitations. C'est vrai, on te l'accorde, il n'y a pas de souci, Dimitri. On va se rattraper là-dessus. On va se rattraper là-dessus d'ailleurs. Mais on est toujours là. Dimitri, il y a Missy et Simon qui sont là. Ils peuvent te confirmer que ça tourne toujours. Hein, Missy, on est toujours là. Faut lui dire. Il croit que la radio s'arrête. Et Simon, OMP, le sniper. Qui est là? Allez. Allez Dimitri, vu que tu es bien positionné sur le parquet de la radio, on enchaîne, on te fait la passe dans quelques instants pour le layup pour le contre dont tu en as le secret. Surtout on sait que si on enchaîne sur ton ami, tu vas pas tarder à te mettre en position défensive pour l'empêcher d'aller au panier. Hein, on fait comme ça non? Ouais, il n'y a pas de souci. Allez, on enchaîne avec les Knicks de New York. On parlait de Trey Burke tout à l'heure. On rappelle que dans le duel des mal classés de cette conférence, les Hornets ont eu le dernier mot sur les Knicks en prolongation 137 à 128. Et on rappelle que pour contrer l'énorme match de Trey Burke, on rappelle le match de sa vie, 42 points, 19 sur 31 au tir, 12 passes décisives. Il a fallu un très très grand Kemba Walker avec 11 de ses 31 points, 11 sur 21 au tir et 3 de ses 7 passes en prolongation. À ses côtés, Dwight Howard, monsieur, on l'appelle monsieur 30-30, c'est bien ça non? Monsieur 30-30, Dwight Howard, le nouveau monsieur 30-30, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est son nouveau surnom. Il était en mode double-double, 23 points, 13 rebonds. Nicolas Batum, le français, était à 23 minutes, 9 points, 2 sur 3 au tir, 3 rebonds, 4 passes. Et on rappelle qu'après un 3 points égalisateur de Tim Hardaway Jr. à 40 secondes de la fin du 4ème quart-temps, Kemba Walker a répondu de loin sur l'aile droite avant de faire perdre le ballon à notre cher héros Trey Burke sur la dernière possession avant qu'il ne puisse enclencher un tir. Il a ensuite marqué sur les 4 premières possessions de son équipe en prolongation pour assurer la victoire à son équipe. On rappelle que les Hornets de Charlotte sont 10e de cette conférence Est et que leurs adversaires, j'ai parlé de tout à l'heure, les Knicks de New York, les Knicks qui sont en bas, tout en bas, il faut aller tout en bas, juste en dessous des Hornets, hein, voilà, 11e de cette conférence Est avec 27 victoires pour 48 défaites. Voilà, les playoffs, c'est terminé pour ces deux clubs, mais ça fait plaisir. On va parler d'un match qui m'a surpris. Alors, mais si tu vas enchaîner plutôt sur ce match qui m'a surpris, moi, tu vas enchaîner sur ce match qui m'a surpris. C'est les Minnesota Timberwolves qui se sont
laisser. Vous allez reformuler ce que j'ai dit, mais ils se sont fait battre par une équipe par l'équipe qui ne devait pas les battre. Il s'agit des Grizzlies de Memphis. Hein, on rappelle que les Wolves ont vraiment laissé filer ce match à domicile sur cette défaite face aux Grizzlies. 101 à 93, Wayne Sheldon a inscrit 23 points pour l'équipe qui restait sur 17 défaites consécutives. On rappelle la pire équipe de la ligue, les Grizzlies de Memphis. Marc Gasol a ajouté 20 points, 10 rebonds, 6 passes. Lui et Wayne Sheldon ont combiné 4 des 15 tirs à 3 points de leur équipe, alors que Jamichael Green était en double-double avec 11 points et 10 rebonds. En face, Jeff Teague a signé 25 points, 7 passes, Karl Anthony Towns 15 points, 12 rebonds. Mais les Timberwolves se sont inclinés pour la deuxième fois d'affilée et pour la sixième fois en 13 matchs depuis l'All-Star Break. On rappelle qu'il y avait la blessure de Jimmy Butler. Les Timberwolves sont désormais 8e de cette... les Timberwolves, voilà, je vérifie, hein, j'ai dit 8e. Mais laissez-moi vérifier pour être sûr que c'est toujours cette place. Voilà, les Timberwolves du Minnesota, voilà, 8e hein, de cette conférence Ouest. 42 victoires, 33 défaites. Et je vous l'ai dit, hein, les Grizzlies de Memphis, on ne les présente plus. La pire équipe de la NBA avec les Suns, 20 victoires, 54 défaites. Ils ont vraiment commis l'erreur de perdre ce match. Et ça peut leur coûter les playoffs. Missy, vas-y, enchaîne. Oui. Ça peut leur coûter les playoffs, c'est aussi à l'image de cette équipe hein, ouais. Qui est capable de battre les Warriors, est capable de s'écrouler comme ça contre Memphis. Et il faut bien dire que ce qu'on attend tous, c'est de voir le visage de Wiggins, numéro 1 de la draft, dans la même draft que Joel Embiid, pas pour le même résultat. Pour l'heure, les deux sortent de Kansas. Très bonne université, ils ont été à bonne école. Il a quand même fait la une de Sport Illustrated. Il était quand même le meilleur lycéen. Et il faudrait qu'on le voie. On a besoin de le voir parce qu'il était là, ce talent-là. Mais au jour d'aujourd'hui, il est mécontent, on le sait, il est mécontent par rapport à Tom Thibodeau de n'être que la troisième option. Mais on a envie de lui dire, t'es jeune, prends ce qu'on te donne. On peut pas passer devant les gens sur le simple fait que tu t'appelles Wiggins. Non. On peut passer devant les gens parce que tu as les résultats à montrer. Ouais. Quand on parle de Joel Embiid devant les gens, parce qu'on le voit et qu'il montre que il peut, devant n'importe quel joueur, il peut répondre présent. Il peut répondre présent, effectivement. Et ça, Wiggins, il fait partie de ces quelques jeunes joueurs qui sont en train de s'endormir avec le talent. Au Canada, en ce moment, on parle d'un autre lycéen qui s'appelle R.J. Barrett. R.J. Barrett, il a été élu lycéen de l'année aux États-Unis. D'ailleurs, il va au Summit, il va au Jordan Brand, il va à tous ces tournois-là. C'est grâce à lui qu'il a battu Team US en junior. Donc, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour vous remplacer. C'est dommage qu'il ne se montre pas, qu'il reste dans ce bras de fer avec Tom Thibodeau, dont il n'aura pas le dernier mot. C'est un bras de fer qui va le desservir. Il faut qu'il se dise, je suis pas la première option, mais chaque match qui se joue, je donne le meilleur de moi-même. Je donne le meilleur de moi-même. Je ne suis pas là, je dois faire gagner mon équipe. Je dois faire ma grande équipe. Voilà. Le Doc One P. Oui. Le Doc One P, le risque qui guette les loups du Minnesota, ce serait vraiment impensable de ne pas aller voir cette équipe qualifiée en playoff. Mais une surprise n'est pas du côté de la conférence Ouest, c'est très très compliqué, mais ben voilà. Vas-y, le Doc, enchaîne. Mais oui, ils le savent, hein. Ils le savent qu'ils sont dans une conférence de la mort, hein, et que actuellement une défaite. De fait, on a vu les Spurs, on avait peur pour eux il y a moins de 10 jours. Ils ont dû se réveiller violemment, et encore ils sont pas à l'abri après encore cette défaite à Milwaukee. Et ce soir ils sont en grand danger à Washington. Chaque jour est un nouveau jour où tu vas trembler, parce que les Nuggets qui créent même la chance de ces mecs, parce que les Nuggets perdent des matchs impensables aussi pour eux. Les Nuggets sont un peu à bout de souffle, c'est ça qui peut rassurer ceux qui sont devant, mais
Clippers et Nuggets sont tellement aussi forts. D'ailleurs, tu parlais de Détroit tout à l'heure. J'allais m'exprimer sur deux équipes qui ont eu de la malchance dans les blessés. Mais qui, au début de saison, tu te rappelles, je le disais, les Clippers, pour moi, ont équilibré leur équipe de très belles façons. Ouais. Mais de très belles façons. Mais malheureusement, c'est les blessures qui les ont tués. Parce que même quand DeAndre Jordan part, leur recrutement n'est pas mauvais. Mmh. Sauf ils ont une force offensive terrible, mais leurs défenseurs sont blessés. Les mecs recrutés pour la défense sont blessés, mais offensivement, c'est une équipe qui bombarde entre 115 et 125 points à l'aise. Hein. Ouais. Ils ont le meilleur sixième homme déjà, on lui a déjà donné ça même depuis peut-être plusieurs mois. Ils ont le meilleur sixième homme qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs de la ligue. C'est ce qu'il fait actuellement, Lou Williams. Donc, c'est pour dire que Détroit et Détroit, pareil, Reggie Jackson, quand il se blesse, on a vu hier, tu parlais de leur victoire, malgré les problèmes de Blake Griffin, ils ont maintenant un playmaker qui est aussi scoreur. Donc, ça n'a pas eu de répercussions sur la victoire. Le fait que Blake Griffin passe à côté, parce que maintenant, il y a Reggie Jackson, et on sait que E. Smith est à l'aise à côté de Reggie Jackson. Il a retrouvé son complice de la ligne arrière. Donc, il y a des deux équipes comme ça qui sont aux portes des playoffs, mais parce que dans la malchance a fait que la gestion plus les blessures. Et donc, les Minnesota, eux, ils ont eu la malchance dans leur envolée que Butler se blesse. Mais ils sont pareils que les autres. Les autres ont connu ce genre de blessures aussi. Les Nuggets sont à bout de souffle. Est-ce que Paul Millsap revient trop tard? Est-ce que Gary Harris, qui est leur, c'est pratiquement 20 points qu'il apporte. Depuis qu'il s'est blessé, il ne gagne plus de façon sereine et ils ne mettent plus 120 points comme ils avaient l'habitude. Ouais. Donc, ça fait que les Timberwolves ont encore cette chance par rapport à la malchance des autres. Sinon, ils ne seraient même plus là, positionnés à cette place. Et ils y sont. Le Jazz y est. Le Jazz est dans une remontada. Les Spurs, ils sont tous au même nombre de victoires. Les Spurs sont juste devant par rapport au nombre de défaites inférieures. Mais je peux te dire que une défaite demain ou après-demain peut faire que les Loups soient hors play-off. Ils peuvent se retrouver hors play-off. Catastrophe. Ça va tellement vite. Ce soir, je conseille à tout le monde, après la défaite des Nuggets hier, ils vont à Toronto dans un match où ils n'ont pas le droit, sinon ils se tirent. Hier, ils se sont tirés une balle dans le pied, mais ce soir, ils peuvent avoir 3 matchs de retard sur le 8e. Donc, comment ça va jouer ce soir physique? On a vu des bagarres déjà qui commencent entre Portland. Ça commence à être une rivalité. Ça sent les playoffs. Ça commence à sentir un truc en playoffs. Parce qu'on sait bien que c'est potentiellement des équipes à un match près qui peuvent se retrouver. Ce soir, les Nuggets à Toronto, ils vont jouer leur peau. J'espère qu'ils vont les jouer comme des bonhommes parce que ça, ils jouent peut-être leur saison là. Pareil, c'est vrai. Je ne connais pas trop. J'ai pas pris connaissance de ce calendrier, hein, Phil, mais non, il y a pas de mal. Il y a pas de mal. Je peux te dire que les Timberwolves. Demain, ils ont la chance de recevoir Atlanta. Mais Atlanta qui a piégé beaucoup d'équipes qui se sont amusées. C'est clair. Ils n'ont plus le droit à la défaite. Timberwolves n'ont plus le droit là à la défaite. Sauf s'ils comptent, parce que pour moi, les Clippers ce soir vont essayer de monter sur la tête des Bucks. Donc après ça, les Wolves se retrouvent dans une situation où ils n'ont plus le droit à la défaite. Comme beaucoup d'autres. Parce que les Spurs ce soir, je peux dire aux supporters de Washington, malheureusement, les Spurs vont devoir monter sur leur équipe ce soir. Maintenant, ça se joue dans le derrière du classement. C'est ce que je disais l'autre fois dans mon analyse du jeudi. Le haut du classement, c'est plus notre problème. Dans tout le monde, à partir de la 5e jusqu'à la 8e, voire de la 4e à la 8e, c'est un peu bouillant. On va faire réagir à Dimitri. Dimitri ! Allô, Dimitri, est-ce que tu m'entends ? Je suis là. Dimitri, les Minnesota Timberwolves hein, qui sont vraiment en grand danger, il faut le dire, à une équipe comme moi, je ne voyais pas à cette 8e place de la conférence ouest, de la conférence ouest,
à ces moments de la saison. 42 victoires, 33 défaites. Mais on rappelle, hein, ils sont à égalité pratiquement avec le Jazz d'Utah. 42 victoires, 32 défaites. Les Spurs sont à 43 victoires, 31 défaites à la 6e place de cette conférence ouest. Et à la 5e place, on a les Pelicans. 43 victoires, 31 défaites. Les choses peuvent encore bouger. Une équipe peut se retrouver à la 8e place assez facilement. Dimitri, j'ai une question à te poser. Si tu devais sélectionner une équipe qui remplacerait les Minnesota Timberwolves à la 8e place, et si tu choisirais laquelle, je te donne 5 équipes là. Les Pelicans, les Spurs, les Pelicans à la 5e, les Spurs à la 6e, les Jazz à la 7e. Parmi ces 3 équipes, tu choisirais laquelle pour remplacer les Minnesota Timberwolves à la 8e place? La 8e place, ça veut dire que le 8e devrait jouer Houston, c'est ça? Donc, Kyrie ne reviendra pas du site, parce qu'il n'a même pas l'air de revenir. Je choisirais. Bon, DeMarcus Cousins, ça. Je fais exprès. Non, si tu devrais choisir une équipe pour jouer contre. À la 8e place, ça signifie que tu trouves jouer contre Houston. Ouais. Je laisserai Timberwolves là. Moi, si tu devrais choisir. Tu peux choisir de les laisser là. Il n'y a pas de souci. Tu peux choisir de les laisser là. Mais pour toi, c'est pas dommage qu'ils se retrouvent à cette place, Dimitri. C'est pas dommage. C'est pas. Oui, parce qu'ils ont joué d'une façon assez consistante pendant une certaine période, quand même, après les playoffs jusqu'à après les playoffs. Après, le Butler a tout changé. Je l'ai voyé à la 5e place. Après, du coup, j'ai été surpris de la retrouver à la 8e place. Carrément à la porte, et de ne pas jouer les playoffs. C'était vraiment surprenant. Donc, l'arrivée de Derrick Rose, il s'est blessé. Butler s'est blessé. La petite coupure avec le micro de Dimitri. Oui, vas-y. 42 vas-y. Il s'est un peu perdu. 40 minutes. C'est vrai qu'il fait jouer ses stats, mais c'est plus. Enfin, on sent qu'il n'a pas perdu son rythme. Et c'est dommage parce que c'est une équipe qui joue à 5e, qui joue à le haut du tableau, qui se retrouve à cette position-là en faisant les playoffs. Ouais. Ça va pas être. C'est pas vu d'un bon oeil. Hein. C'est vraiment pas vu d'un bon oeil. J'espère qu'après le management va aussi pouvoir refaire confiance à Tom Thibodeau. Je ne crois pas qu'il ait eu son contrat parce que juste ce comme joueur et l'effectif qu'on lui a donné. On connaît d'autres. Un joueur, un entraîneur assez défensif. On sait qu'il aime user les joueurs. Donc. On va voir comment. Voyons comment ça se passe. Je préfère les laisser là. Oui, le Doc Anpi, vas-y. Le pire scénario qu'il puisse avoir pour les Rockets, si on fait une si belle saison et en enchaîné, c'est de tomber sur les Spurs au premier round. Je pense qu'ils seraient contents de leur derby, les voyages déjà. Ils vont pas beaucoup voyager, chacun. Mais les Spurs sont tellement imprévisibles et on ne sait pas ce qui se trame à l'intérieur. On ne sait pas si Kawhi revient pas. Et on sait par contre un seul truc, c'est que les Spurs sont toujours difficilement manœuvrables. Et on l'a dit plusieurs fois, le premier tour des playoffs, une équipe qui sort premier, c'est pour avoir un premier tour easy, c'est-à-dire un premier tour assez tranquille. Mais être premier et avoir les Spurs, ou bien pour les Warriors, avoir les Spurs, si les Spurs sont 7e ou 8e, je peux te dire les deux premiers là vont être dégoûtés d'avoir fait un tel parcours. C'est pas faux. Allez, on enchaîne avec le dernier match de cette nuit. On rappelle que les Celtics et ont enchaîné avec une 4e victoire et ça fait plaisir. C'était face aux Suns de Phoenix. Vous me direz, ce n'était que les Suns de Phoenix, mais une victoire, c'est une victoire et ça fait toujours plaisir. On rappelle que les Celtics ont beaucoup souffert. Il y a encore quelques semaines, on rappelle que Jason Tatum a terminé meilleur marqueur de son équipe sur cette victoire sur un score de 102 à 94. Jason Tatum qui était à 23 points, 10 sur 18 au tir, 6 rebonds, 3 interceptions devant Marcus Morris, le vétéran, et ses 20 points, 6 sur 8 au tir, 3 rebonds, donc voilà, pour Marcus
Maurice. On rappelle que Al Horford a compilé 19 points, 9 rebonds, 7 passes. Alors qu'en face, Josh Jackson a imité Tatum, il était à 23 points. Taylor Ulis était à 19 points. Les Suns qui jouent sans Devin Booker, qui est blessé à la main pour une cinquième match d'affilée, s'incline pour la 27e fois en 29 matchs. Jason Tatum a inscrit 9 de ses 11 premiers points, les 9 des 11 premiers points de son équipe. Et Jackson a ajouté les 11 premiers de son équipe. Donc voilà pour ces Suns. Je l'ai dit tout à l'heure, les Suns qui sont derniers de cette conférence Ouest et les Celtics qui sont tout simplement deuxièmes, toujours deuxièmes. 51 victoires, 23 défaites. Mais ici, un petit réveil, un petit réveil de la part de cette équipe des Celtics. Les playoffs vont être compliqués. Compliqués. C'était un petit match de saison régulière contre une équipe qui est très mal classée. Donc même le banc des Celtics doit battre cette équipe. Le problème n'est pas là. C'est qu'on en sait, on ne sait quasiment rien sur de quoi souffre Kyrie Irving. La première année, quand les Warriors gagnent le titre, ils le gagnent aussi en partie parce que Kyrie Irving, malade, il a été même hospitalisé pour essayer de... Il n'a jamais été remis sur pied. Il ne faut pas disputer les playoffs. Donc, les Warriors sont un boulevard devant eux. Je doute que les Celtics puissent faire une campagne de playoff avec un Kyrie Irving, ne serait-ce que à 70 ou 80%. Ça va être compliqué. L'affaire est d'autant plus compliquée pour eux, parce que quelqu'un qui peut scorer entre 25 et 30 points, sachant que les défenses au playoff elles sont resserrées, les choses vont être cadenassées. Quand les choses sont cadenassées, vous comptez quand même sur le génie de Kyrie Irving, le fameux génie qu'on a vu en 2016, qui a fait gagner quand même, mine de rien. On dit toujours, bon, c'est quand même les Warriors qui l'a perdu un peu. C'est quand même Kyrie Irving qui l'a gagné un peu aussi. C'est vrai. Cette tactique de Boston, Et donc, un petit mot sur ces Celtics. Missy, tu veux conclure? Vas-y, conclure, Missy, s'il te plaît. En plus, pour dire une chose, la période qui part là, c'est une période d'incertitude. Pour les Celtics. On savait que depuis longtemps, ils étaient qualifiés. Ceux qui sont devant eux, ils n'ont pas beaucoup de soucis. C'est les Raptors. Les Raptors sont complets, sans aucun blessé. Parce qu'il faut quand même qu'on se dise que les Celtics ont quand même deux joueurs blessés à potentiellement entre 20 et 25 points et 30, entre 20 et 30 points. Donc, avec Anthony Ward, on est quasiment certain qu'il ne reviendra pas cette saison. C'est compliqué. C'est compliqué. Et on Marcus Smart qui est sur c'est le compliqué. Plan. Ouais. Alex Brown, ce n'est pas au mieux. Ça fait beaucoup. Alors, le Doc NP, comment tu as envie de réagir sur ces Celtics? Une autre équipe leader qui est en plein doute malgré cette victoire qui se sont enchaînées. Comment tu as envie de réagir? Absence de Kyrie, on ne sait pas quand il revient. Une équipe en souffrance, le Doc NP. On sait déjà que le premier tour des playoffs n'est pas pour lui. Donc ça va dépendre de l'adversaire. Mais il n'y a pas que lui. Il n'y aurait que lui. Ce ne serait pas si grave. Parce qu'ils ont un effectif capable de... Sur 7 matchs, même s'ils gagnent en 6, c'est pas grave, ils sont jeunes, de battre l'équipe 8e. Parce que je peux te dire que ce soit actuellement le Heat ou les Bucks ou les Wizards, peut-être un peu plus loin, je vois quand même les Celtics passer sur 7 matchs. Mais la suite, il faudrait qu'ils reprennent du rythme
et que là maintenant ça va s'annoncer forcément un match face aux Cavs, ouais. Normalement. Ouais. Là c'est vrai que bon, les Cavs aussi c'est pas une équipe totalement qui a aussi subi, hein. Ils ont subi leur part de bobo, mais ils ont la chance que tout le monde est en train de sortir de l'infirmerie au bon moment. C'est ouais. Ça la différence. Mais donc, oui. C'est la blessure des autres, tu vois, les Smart et tout le reste, ils doivent l'avoir perdu Tate. C'est ça qui est Kyrie Irving, c'est que lui au premier tour des playoffs, je pense qu'il peut. Parce que il y a deux effets. Ouais, il y a deux effets selon moi. Mmh. Il y a l'effet actuellement qui était dangereux parce qu'il battait pour la première place. Ouais. C'était de perdre des matchs et de s'éloigner de cette première place. Ce qui est fait déjà, bon, ils sont à trois matchs. Ils sont à trois, ouais. Des Raptors. Je pense qu'ils ont en tête que, bon, voilà. Mmh. Mais c'est sûr. Mais l'effet positif, parce que s'il n'y avait pas autant de blessés, s'il y avait quelques. Ou bien si les blessures reviennent assez vite, c'est-à-dire d'ici une semaine. Ouais. C'est que le banc est en train de prendre de la confiance et les joueurs du banc prennent de la responsabilité et seront prêts, eux, mentalement et même physiquement, parce que c'est maintenant que les joueurs doivent revenir de blessure. Ils doivent faire 10 jours à 2 semaines de compétition, parce que en 2 semaines, c'est 3 matchs par semaine ou 2 maximum. Et ça, au moins dans les jambes, disons 6 à 8 matchs maximum, avant d'aborder les playoffs. C'est maintenant. Il n'y a pas de nouvelles sur le retour des autres, mais le bon côté des choses, c'est qu'on voit ce banc, on voit maintenant que Horford et Monroe arrivent à jouer, que Baynes, qui était relégué au banc avec l'arrivée de Monroe, Baynes a plus de temps de jeu et prouve qu'il peut apporter des choses. On voit que Tatum, qui était au fond du trou en janvier, si on se rappelle bien, prend des responsabilités. Mûri, c'est lui qui prend le ballon et dit « Donnez-le-moi, c'est un rookie, s'il vous plaît. » On rappelle. Et Jalen Brown revient là déjà, lui, déjà de 1, c'est déjà une nouvelle pas mal. Donc, c'est sur le côté positif. C'est que le reste de l'effectif prend ses responsabilités et ne va pas aborder des playoffs parce qu'ils sont tous jeunes, ne va pas aborder des playoffs avec la tremblotte. Ils seront là et dire « Ça fait 2 semaines que c'est nous. » Voilà. C'est surtout aussi un bon Terry Rozier qu'on voit. Il faut pas l'oublier, Lui, dans sa tête, il est déjà en mode Terry Rozier. Je sais pas beaucoup, c'est un mec qui a Vas-y, conclue le doc, après j'enchaîne, vas-y. Donc, il y a un côté positif. Je sais pas maintenant si l'infirmerie va se vider avant les playoffs, que ne serait-ce que Gordon et Ward ont mis à côté, c'est mort. Mais si Kyrie elle, est bon test, lui aussi, c'est mort. Mais s'il n'y a que Kyrie qui reste, je pense que tels qu'ils sont, tels que la force qu'ils ont, parce qu'ils ont une bouteille et aussi des extérieurs qui défendent, en tout cas du poste 5 au poste 2, au poste 3, ils ont tout ce qu'il faut. Ils n'ont rien envoyé aux autres. Donc j'espère juste qu'ils pourront passer, j'espère pour eux. On espère le meilleur. On veut vraiment voir ce Celtics au cadre dans ces playoffs. On a signé en début. On va pas se cacher les choses. On peut voir les Cavs contre Kyrie Irving. Ça c'est certain. Allez les amis, on va enchaîner avec la troisième et dernière partie de ce talk show avec les news du NBA General Manager Show dans moins d'une minute. Restez bien connectés. À tout de suite. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
Allez les amis, on enchaîne avec la troisième et dernière partie de ce talk show. Ce sont les news du NBA General Manager Show et on va commencer par aller du côté, on va aller du côté de Memphis, du côté de la deuxième pire équipe de la NBA, du côté des Memphis Grizzlies, les Memphis qui se renforcent un petit peu. On va dire ça comme ça, ils ont décidé de signer pour un contrat de 10 jours l'ex-joueur NBA Marshawn Brooks. On rappelle que Marshawn Brooks a évolué du côté des Nets dans le passé, mais sur les 3 dernières saisons, Brooks était en Chine et il tournait à 36 points, 7 rebonds, 5 passes par match avec les Jiangsu les Jiangsu Nanggang, voilà, c'est comme ça qu'ils s'appellent, les Jiangsu Nanggang, voilà, le réalisateur des trucs qui rigole. Il est du côté des Celtics, je crois, Marshawn Brooks. Il est passé par les Celtics aussi, Missy. Voilà, Dimitri qui rigole parce qu'il était chez les Jiangsu Nanggang, voilà. Alors, on enchaîne. On va faire la passe à Dimitri, justement. Dimitri. Phil, est-ce que tu peux nous rappeler combien de points de moyenne il avait là-bas? 36 points, 7 rebonds, 5 passes. Hein. il rigole. Mais c'est pas mal, 35 points, tu convertis avec un temps de jeu, normal à Memphis, tu peux faire 15 points hein, facilement. J'aurais dû aller pour la Chine. Allez, on enchaîne. Allez, on enchaîne, les amis. Oh non, je vais prendre la face à Dimitri. J'aimerais bien que Dimitri s'exprime. Dimitri, tu m'entends? Ouais. Alors Dimitri, tu vas réagir hein, sur cette actu concernant LiAngelo Ball. On rappelle, hein, LiAngelo Ball qui s'est déclaré à la draft, de 2018. On rappelle, hein, LiAngelo Ball qui a scoré 72 points, 11 rebonds sur un match. On rappelle qu'il évolue avec les Vytautas Prienus, cette équipe de Lituanie. On rappelle qu'il a quitté UCLA en décembre. Il avait quitté cette majestueuse université avec avec une belle feuille statistique de 0.0 rebond. Il n'a pas joué du tout. Et il a rejoint les Vytautas Prienus avec son petit frère. Et voilà, il s'est déclaré à la draft. On rappelle que LiAngelo Ball va avoir quelques workouts avec quelques équipes NBA. On ne connaît pas encore lesquelles, mais il va participer à la Pro Basketball Combine. Voilà, hein, comme beaucoup de joueurs en Floride. Ça va se dérouler en Floride pour le mois de mai et il aura l'occasion de rencontrer rencontrer quelques GM, quelques dirigeants NBA qui vont voir son talent. Dimitri, est-ce que tu es prêt à parier? Est-ce que tu serais prêt à parier pour une sélection de LiAngelo Ball en NBA? Est-ce que tu es prêt à mettre quelques pièces? Oui, aussi supposant que cela, je dirais oui. Parce que quand on regarde les années antérieures, ouais. Même si on n'était pas vraiment féru des matchs NCAA, ouais. Il y a quand même des joueurs sur lesquels on pouvait on pouvait miser. On faisait déjà des annonces qui pourraient être premier choix de draft, ouais. Ou deuxième choix de draft. Tu vois, vous voyez un peu ce que je veux dire. Du star de la NBA. Mais cette année, bizarrement, un draft de l'année dernière a été prolifique. Un draft de cette année, quand on regarde, cette année, j'ai un peu regardé les March Madness avec la compétition. Mm-hmm. NCAA n'est pas vraiment garantie cette année. Aussi, c'est un peu le risque parce que chaque année, il y a les vagues qui s'en vont et la pépinière qui arrive derrière n'est pas forcément. Ce sera pas forcément aussi prolifique que les joueurs qui sont partis avant. Donc, c'était, je regarde, il y avait Zion Williamson et qui d'autre? Il n'y a pas beaucoup, je pense qu'il y a encore un peu. Pas beaucoup. Et quand je regarde ça, je me dis, bon, le père a pris un pari jusqu'à un moment, ses enfants en Europe. C'est parce que ses enfants ne pouvaient plus faire grand-chose aux États-Unis. Mais quand on regarde, on se dit, c'est un pari fou. Mais quand on regarde ce que le mec a fait en ce moment en Europe, comparé à ce qui se fait aujourd'hui en NCAA, on se dit, puisque aujourd'hui c'est une affaire de stats, si le mec arrive à faire des stats comme ça là-bas, et qu'il arrive à signer des workouts avec des équipes en NCAA ou en NBA, il y a de très fortes chances qu'il soit sélectionné. Donc je pourrais mettre ma petite pièce dessus qu'il sera sélectionné. Et sans doute qu'il sera pris.
En tout cas, moi aussi, j'ai envie. Hein. J'ai envie de le voir en NBA, LiAngelo Ball. Je le dis, je le crie haut et fort. J'ai envie de le voir en NBA. On verra si, c'est le cas. mais si tu veux dire un mot, après j'enchaîne. Vas-y. Non, madame, la hype, et puis la hype est vendeuse. Voilà, ça, la hype est très très vendeuse en tout cas. Alors, on va passer d'un joueur qui a cette possibilité de jouer en NBA à un autre joueur qui est déjà en NBA, mais pour qui les choses vont plutôt mal. On va parler de Dennis Schroeder des Hawks d'Atlanta. On rappelle que Dennis Schroeder avait été arrêté par la police d'Atlanta. C'était en début de saison. On rappelle qu'il était en compagnie de trois de ses amis et ils sont accusés d'avoir frappé un homme, tout simplement. On rappelle que Dennis Schroeder devait passer devant le juge en janvier, mais à cause des soucis de calendrier, il le passera donc dans quelques jours, et les faits pourraient être très 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 aggravés selon le procureur général adjoint, puisque une vidéo semble montrer Dennis Schroeder ayant initié la bagarre, hein, avec la victime. Lui et ses trois amis aurait délibérément cassé la jambe du pauvre homme et provoqué une rupture du ménisque et des ligaments croisés de son genou, tout simplement. Voilà, Dennis Schroeder qui s'en va frapper des gens dans la rue. C'est pas bien pour l'image de l'NBA. Des sanctions vont forcément tomber. On rappelle que les Hawks ont annoncé que Dennis Schroeder sera sanctionné après le procès. Donc, ça va être compliqué. On espère que sa carrière n'en souffrira pas trop, mais je ne parierai pas là-dessus. On rappelle qu'il avait quand même passé une belle saison, hein, Dennis Schroeder. L'une des meilleures saisons de sa carrière. Ce serait dommage que les choses s'arrêtent comme ça. Même si c'est comme ça, être professionnel, ça, c'est apprendre à se contrôler. C'est apprendre à se contrôler. Aujourd'hui, comme on l'a dit, on le voit même avec on le voit avec tous les sports. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, les médias sont là. Tout ce que vous faites aujourd'hui, ça prend une... Tout autre ça tournure. Prend 5-10 fois plus de proportions. Ouais. Donc aujourd'hui, on vous demande d'être clean. La moindre chose, même dans le vocabulaire, tout ce que vous devez faire. Lui, il est talentueux. Et venir se perdre comme ça dans un pays qui est étranger. On dit toujours de quelqu'un, finalement, les gens vous diront, oh, c'est pas un si mauvais gamin. Mais le professionnalisme exige que vous soyez professionnel dans tout. Parce que quand vous engagez comme ça dans une bagarre, vous engagez l'image des Hawks. Oui, c'est vrai. L'image des Hawks est dans la bagarre, l'image de la NBA est dans la bagarre. Tout, vous faites perdre de l'argent, rien n'est anodin aujourd'hui, donc c'est bien à préciser aux jeunes. Tous ces jeunes-là qui sont dans les centres de formation, dans tous les sports qui aspirent, il faut leur dire. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Allez, on va terminer avec ces dernières news. On va du côté des Sixers pour rappeler qu'ils ont viré James Young qui avait signé un two-way contract en janvier. On rappelle que James Young a apparu pendant 6 matchs avec les Sixers. Il était à 2 points en 10 minutes de temps de jeu. Il tournait à 20.5 rebonds, 2 passes en 33 minutes. C'était en NBA G League. On va aussi aller du côté des Bulls. Les Bulls qui ont signé Sean Kilpatrick pour un contrat de 3 ans, 6 millions de dollars avec Sean Kilpatrick, voilà, qui a signé aux Bulls de Chicago. Les Bulls qui avaient une option équipe sur Kilpatrick pour les deux prochaines saisons. Donc voilà pour ce joueur. Et on rappelle que les Bulls ont viré CJ Fair qui dégage le plancher pour faire la place justement à Sean Kilpatrick. C'est comme ça que ça se passe en NBA. C'est un business. Pardon. Tu parlais tout à l'heure de James Young. James Young, il était au Celtic et tout ça. C'est quelqu'un qui s'est vraiment jamais imposé. Ouais. Il cherche sa place. C'est quand même bien de rappeler à tous les jeunes et à tous les gens qui nous écoutent. Les sports, il y a beaucoup, beaucoup d'appelés. Il y a peu d'élus. Il y a peu de gens. Quand vous voyez, chaque année, il y a 62 qui sont draftés à la draft.
quand on regarde les drafts et tout, beaucoup, le trois quarts vont disparaître dans les deux, trois ans. Voilà. Et aujourd'hui, quand on regarde les meilleurs drafts, moi, pour avoir fait les drafts de ces dernières années, oui. La draft où il y a encore le plus de joueurs qui sont restés, c'est pour moi, c'est la draft de Kyrie Irving. Ça, c'est sûr. On regarde aujourd'hui. Ça, c'est sûr. C'est la draft. Alors, vas-y, je conclue et puis je dois enchaîner. On n'a plus beaucoup mieux. Tout le monde parlait de la draft 2014. Tout le monde pouvait penser ça. Ouais. Ou penser autrement. Mais il y a des drafts comme ça qui ne payent pas de mine au début. Mais finalement, c'est là où les joueurs restent. Voilà. Eh oui. Allez, on va du côté du Orlando Magic rapidement avec ces dernières news. On va parler de Terrence Ross. Terrence Ross qui, selon Josh Robbins, on rappelle que Terrence Ross s'était blessé en novembre et qu'il est toujours en train de se soigner de sa jambe brisée. On rappelle que Frank Vogel a précisé que Terrence Ross ne sera de retour que la saison prochaine, que autour d'avril, probablement au mois d'avril de 2019. Voilà, je crois que c'est ça. Hein, je dis pourquoi c'est ça. Avril, 11 avril, il ne sera pas de retour avant le 11 avril de cette année. C'est pas 2019, c'est 2018. Voilà. C'est moi qui me suis embrouillé dans mes dates. Allez, on va aussi penser à Jonathan Isaac. Jonathan Isaac, du côté du Magic d'Orlando. Jonathan Isaac, qui est aussi blessé au pied. Jonathan Isaac, qui, s'est entraîné un petit peu aujourd'hui. Il n'est pas certain de jouer ce soir face aux Nets. Mais Frank Vogel qui a précisé que Jonathan Simons, qui lui est blessé au poignet, ne jouera pas demain. Voilà, une incertitude de Jonathan Isaac et Jonathan Simons, voilà, qui avec sa blessure au poignet ne sera pas disponible demain. Donc voilà, et on va terminer avec on a fait le tour, hein. Le tour c'est que des blessures, voilà, comme ça. On a déjà parlé. Oui, il y a beaucoup de blessures, hein. On arrive à la fin de ce talk show, les amis. Il y a plus grand chose à dire. On va clôturer le show, mais on vous précise que pour les nouveaux horaires, on rappelle les nouveaux horaires, puisqu'on a un peu décalé le talk show compte tenu des difficultés à mettre en place par rapport à notre planning d'ailleurs, hein, puisqu'on a un planning assez chargé et c'est important d'avoir. C'est important de mettre les choses, de planifier les choses de telle manière à ce que chacun puisse être le plus disponible possible. Il y a le Doc ONP qui a souvent des difficultés à être là à l'heure le mardi. Moi aussi d'ailleurs, on est souvent en retard. Donc on a décidé de décaler l'émission de 30 minutes, c'est-à-dire on démarrait à 21h30 GMT. Ce sera 22h30 GMT désormais, 23h heure de Paris, 22h GMT, voilà, 23h heure de Paris, 22h GMT, voilà, c'est comme ça. Dimitri, il est 23h27 ici, il est quelle heure à Londres? Oui, pareil, 23h. Voilà, 23h GMT, c'est bien ça, c'est ce que je me disais aussi. 23h GMT, démarrage des talk shows sur Radio Hall of Fame Basket, il est minuit actuellement du côté de Paris, hein, minuit et demi, hein, du côté de Paris, minuit du côté de Angers. Voilà, on va remercier Missy, merci d'avoir été avec nous ce soir. On va donner rendez-vous à nos fans jeudi pour le live. Ce sera à partir de 23h heure de Paris, 22h GMT. Oui. On se dit à jeudi. Hein. Merci Dimitri depuis Londres. Merci. Ouais. Un plaisir d'être avec nous. Et je te promets que je vais relancer les invites. C'est vrai qu'avec le temps, le planning, c'est un peu compliqué. Mais je vais me rattraper là-dessus. T'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. Allez, bonne soirée, Dimitri. Merci à toi. Et donc, on donne rendez-vous à nos fidèles auditeurs jeudi à partir de 23h de Paris, 22h GMT, 22h heure du 237. Oui. À jeudi, on sera bien présent. Hein. Voilà. Parce que de toute façon, là, actuellement, c'est chaud à tous les niveaux, donc pas toujours à dire. C'est chaud. En tout cas, nous, on était très, très heureux de vous savoir connectés ce soir. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Restez bien connectés sur la radio, partenaire officiel NBA. Et on vous dit à jeudi, à partir de 23h30, 23h GMT,
22h française, 22h GMT, 23h heure française. Voilà. Ciao les amis, bye bye. Bye bye. Bye bye. Ciao. Merci. Bye bye. Bye bye.